Je m'éveille à une nouvelle vie. Je renais. J'éveille ma conscience pour me découvrir et découvrir ma nature profonde. Pour expérimenter la vie autrement, me sentir alignée avec mes valeurs. Je voudrais oublier les cauchemars et je cherche la liberté. Je garde espoir et je lâche le passé en marchant droit vers l'avenir. L'avenir peut s'éveiller plus beau que le passé, pour être heureuse et pour les personnes que j'aime. Pour ma vie, il n'est pas nécessaire de passer des nuits blanches. Il me suffit de rester éveillée la journée, pour que je puisse continuer à vivre autrement, avancer et rester émerveillée pour les personnes que j'aime et pour moi-même. Ce groupe m'a fait avancer par tous ces bons moments passés ensemble. Merci Marie, merci à tous. Je prends conscience de mon corps et mon esprit. La vie me demande beaucoup de vitalité pour mener à bien mes multiples projets. J'apprends depuis toujours, avec une implication constante, afin de progresser. Et je pense que j'acquiers, grâce à cela, ma liberté. Je m'y retrouve dans mes origines de gitane. Tête baissée et pensante, la douleur est là. Le jour où tu as souffert à côté de moi, maman. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif et je l'ai réalisé en dansant, chantant sur des musiques gitanes. Que ça fait du bien. Je m'en libère, je m'en défais de tout ce poids, de tristesse. Maintenant, place à un nouveau cycle dans ma vie, pour mes enfants et petits-enfants. Je vais cesser d'être ce que j'étais et devenir ce que je suis. Je t'aime, maman. J'ai su qu'en participant à cette belle expérience, je ne pouvais qu'en guérir. Merci. Ode à ma vie, cette vie en pause, en suspens, qui ne demandait qu'à reprendre son cours, à s'écouler et miroiter, comme des milliers de gouttelettes d'eau qui brillent au soleil. Je m'éveille à la vie. Vivre, ce n'est pas survivre. Faire la différence entre les deux est le chemin que je viens d'emprunter, qui me mène vers la lumière et le soleil. Mieux vaut vivre sa vie plutôt que de la regarder passer. Elle est pleine de surprises, bien plus belle que celle que l'on attend secrètement. Laisser la maladie à sa place, elle ne doit pas nous empêcher de voir que la vie nous tend les bras. Acceptons de vivre notre vie à fond, parce que même si elle est un peu différente, elle peut être bien plus belle que celle que l'on s'est imaginée. Chacun d'entre nous a la capacité de se révéler et de s'éveiller à travers sa vie. Il suffit d'avoir envie de vivre. La liberté, c'est comme un ruisseau qui passe partout. Et sur un cheval au galop, en voyant la plaine sans fin, le vent qui souffle sur la plaine est aussi libre que l'eau et le cheval. Tel un oiseau, je suis sortie de prison et de la cage en entrant en France. Je suis très heureuse et très reconnaissante envers la France et les Français qui m'ont aidée sous tous les aspects et de toutes les manières. Je les remercie beaucoup. Sous ce drapeau français, je me sens bien et je suis très heureuse. J'ai commencé une nouvelle vie avec du bonheur. Merci. Lo que se escribe en el alma de alguien se escribe para siempre. Ce qui s'écrit dans l'âme de quelqu'un s'écrit pour toujours.